Eh bien, salut les amis, c'est l'Imperbion, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Jeux Assassin's Creed avec un nouveau tuto, une nouvelle astuce. Nous sommes dans la région de Leicester et nous sommes donc dans la ville de Leicester, le E ne se prononce pas, je crois, ou pas très bien, ou bref, on s'en bat les steaks. Et du coup, nous allons eh bien s'occuper des. Alors, j'avais déjà fait une petite vidéo de présentation pour montrer un petit peu où étaient les trésors. Donc, il y a un trésor ici, un autre trésor qui se trouve ici, les petits points qui sont importants. Et donc là, je vais tout de suite vous montrer le trésor qui est donc au niveau de la ville. Il se situe au nord de la ville. Il est vraiment tout au nord de la ville. On est donc sur une tour où les portes sont fermées à gauche et à droite. Il y a deux portes. Il est impossible de passer. Donc c'est vraiment galère. On peut tirer des flèches au travers, ça ne passe pas. Et donc du coup, tout autour, il y a un petit passage où là, effectivement, on va pouvoir tirer une flèche. Donc là, il vous suffit de tirer une flèche ici et ça va vous permettre de péter cette porte qui est bloquée. Donc là, on va faire tous les endroits. Je vais vous montrer un petit peu tous les passages. Donc hop, saute là, truc. Voilà. On ouvre la porte. J'aime bien toujours faire un petit coup comme ça pour voir exactement tous les endroits qu'il y a à faire. Voilà, tout est fait. Je pète les petites choses, s'il y a des choses ou des petites pièces ou des conneries à récupérer. Et voilà, il y avait. Oula, 14 pièces, ça va très très loin avec ça. On pète bien évidemment cette partie-là et on ressort tranquillement. On se retrouve tout de suite au deuxième point. Alors, ensuite, un petit peu plus loin, vous allez trouver un petit tunnel, un accès ici. Voilà, donc là, du coup, tout à l'heure, on était là. Non, on était là-haut. Donc là, il y a un accès avec cette partie-là. Donc là, vous pétez du coup, vous pétez le bois. Et ensuite, eh bien, vous descendez, vous allez explorer. Là, ça descend tranquillement. Et il y a un petit collectible qui est important pour la progression du jeu, si vous voulez le finir complètement. Donc là, on y va. Toujours le petit R3. Donc, du coup, moi, je suis sur PS4, donc le petit R3. Et collecter objets romains découverts. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Voilà, ici du coup, on est tranquille. On va repartir pour notre recherche, notre richesse suivante. Alors il y en a un qui va vous donner du fil à retordre, c'est celui-ci. Quand on arrive ici, c'est hyper galère parce que du coup, vous pouvez aller dans l'eau. Sous l'eau, vous pouvez aller dans les airs. Il n'y a strictement rien. Il faut vraiment faire attention dans ce Assassin's Creed, puisque du coup, les ressources sont un petit peu disséminées partout. Elles sont vachement bien cachées. Et là, regardez, on trouve une partie ici. Malheureusement, on ne peut pas la péter. Mais il y a quoi là-haut? Il y a un sac de pierre, un sac de rocher. Et du coup, il suffit de tomber dedans. Et là, on va les découvrir du coup. Hop là. Bonsoir. Donc là, on vient de tomber. Je vous invite, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein d'astuces, plein de tutos sur comment trouver les. Comment trouver les. La plupart des richesses, ces objets cachés. Voilà, il y a des vidéos tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et là, on arrive au fameux coffre. On pille le camp de ceux qu'on ne peut. Qu'on ne voit pas, pardon. Et donc là, la richesse a été trouvée. Il y a également des petites choses. Contrat de ceux qu'on ne voit pas. Expionnage and pactice pour parler. Nanana, contrat. Ok. Très bien. Et ben voilà, un gant. Ça fait plaisir. Ça mange pas de pain. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est pas grave. Là, celui-ci, on vient de le lire. Alors là, par contre, il fait un petit peu nuit. Après, on peut utiliser la lampe torche. Hop. Tout de suite. Bon, c'est pas éclairé de ouf, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'autres trésors là. On a fait le tour. Et bah, du coup, il ne reste plus qu'à ressortir de l'autre côté. Bah, par où on est venu. Après, on réescalade. Après, on va voir. J'ai pas tout exploré. Bah, du coup, comme je découvre avec vous en même temps que vous cet endroit. Oh, il y a un petit endroit à débloquer. On déplace. Et là, bonsoir. On sort normalement comme si de rien n'était. Et on retourne du coup, et ben là où il y avait le point initial. Allez, c'est parti, on va directement au prochain point.
Bon, eh bien, ce dernier était plutôt très très simple puisque du coup, il est situé ici. Et là, il n'y a pas grand-chose à découvrir puisqu'il faut simplement, eh ben, s'approcher et ouvrir le coffre. Voilà, donc j'ai déjà fait une précédente vidéo sur pour trouver les autres richesses. Donc n'hésitez pas à les checker. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, les amis.